Père, nous te rendons gloire pour ce moment que nous voulons passer dans ta présence. Merci Seigneur, parce que par ce moment, je crois fortement que tu vas bénir la vie de quelqu'un en commençant par nous-mêmes. Laisse que Seigneur, ce moment soit une bénédiction pour nous, ainsi que c'est de la même manière, ça soit une bénédiction pour ceux-là qui vont le suivre en ligne. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Perturbe nos plans, mais que seule ta volonté se fasse en ce lieu. Communique-nous ta volonté et ta pensée, Seigneur, que les paroles qui sortiront de nos bouches ne viennent pas de nos têtes, mais plutôt de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Il n'y a aucune situation qui ne peut être soumise à Dieu. Il n'y a aucun problème qui ne peut être soumis à Dieu. Quand on tourne vers lui, nos regards, notre visage est rayonnant de joie. Dans les cieux, sur la terre, est-ce que là où tu es, tu peux commencer à déclarer: dans ma famille, dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Quelle que soit la situation que tu traverses, qui a été déclarée impossible à résoudre, laisse-moi te dire aujourd'hui que dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Alléluia. Dans les cieux, se soumet devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tout est soumis, Jésus. Tout est soumis, Papa. Quel est le nom de cette maladie que mon Dieu ne peut pas guérir? Que mon Dieu ne peut pas guérir, alléluia, alléluia. Que mon Dieu ne peut pas guérir, alléluia, 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 alléluia. Oh, oh, oh. Quel est le nom de ce problème que mon Dieu ne peut pas résoudre? Dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne d'autre que toi. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne d'autre que toi. Oh, oh, à jamais. Moti meti dingai, na yembanza. Que tu peux chanter avec moi. Mon téme tindinga, na luka nzambe, nzambe na bomo, na luka nzambe na bomo, na luka nzambe na bomo, na luka nzambe na bomo. Alléluia. Mon témoin, tu n'as
Tu peux vraiment le chercher de tout ton cœur. Oh, j'entends des cris. Est-ce que là où tu es, tu peux crier encore plus fort? Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, mon cœur a tant besoin de toi. Vous savez, tout est vanité dans ce monde. Tout ce que nous désirons est vanité. Aujourd'hui, tu auras besoin d'une voiture, demain tu auras besoin d'une maison, le lendemain tu auras besoin d'une autre chose. Et crois-moi, même quand tu auras beaucoup d'argent, tu chercheras encore de l'argent. Tu vois, quand tu n'en as pas encore, tu te dis, moi le jour que j'aurai ce montant, je ne chercherai plus d'argent. Quand tu arrives là, tu auras encore besoin de plus. Mais il y a une chose qui ne change pas. Il y a ce vide-là qu'il y a dans ton cœur qui peut être rempli par Dieu à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Tu sais, si Dieu te remplit aujourd'hui, demain, c'est pas comme si tu auras besoin de quelque chose de plus que Dieu. Tu auras toujours besoin de Dieu. Oh, lui, il est celui qui ne meurt pas. Au fait, il est celui qui ne change pas. Il est celui dont tu as vraiment besoin. Des fois, tu es dans les soucis, tu penses que ton problème, c'est parce que tu n'as pas d'enfant. Tu penses que tes soucis, c'est parce que tu n'as pas la chose que tu demandes. Crois-moi, le jour que tu en auras, tu auras encore d'autres soucis. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais t'encourager de t'accrocher à Jésus. De t'accrocher à Jésus. Yes! C'est très simple ce que je veux dire. Je vais juste dire Jésus en lingala, Yesu. Pendant un moment, c'est juste le cri de mon cœur. J'aimerais que ce soit aussi le cri de ton cœur. Hey. Yesu. Hallelujah. Yesu. Yesu. Yes, alléluia, alléluia, yes, oningalangai, yes, motema langalukio, yes, tundisa bomonanga, yes. Osa mosusu te kasi ayo Yesu. Osa mosusu te kaka yo Yesu.
bako toute la tolo Yeswe Zambako tiela motema Yeswe Zambo ya kosaka jamais Yeswe Zambo ya bongo na kamalo wana yete Yeswe Zambo ya sala kabika mwa Yeswe Hallelujah Yeswe Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu et qui a besoin d'élever une prière et de lui dire Seigneur, parce que je me rappelle de ce que tu m'as dit. Je me rappelle, Seigneur, ta promesse. Je me rappelle, ô Éternel, que tu m'as donné une parole. J'ai besoin de voir l'accomplissement de cette parole dans ma vie. Alléluia, alléluia, Sango, nazo.
quand il parle, quand il dit une chose, il se rassure d'abord, même avant de dire la chose, de l'accomplir. Il t'a donné une promesse parce qu'il sait qu'il a déjà réalisé. Oh, est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, j'attends. Seigneur, j'attends. J'attends, Seigneur. J'attends. Yesu moninga malamwe. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Zama kochela motema. Loli solo ya camarade langai azala kali susu camarade te akomana ye famina nga il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus mon meilleur ami Jésus meilleur ami tu es mon meilleur ami quand la dépression a frappé à ma porte Yahweh impossible d'en parler personne ne pouvait me comprendre ceux qui étaient mon Cochela motema yeso yo mon meilleur ami Jésus mon meilleur ami tu es mon meilleur ami Alléluia ton ami de tout le temps ton ami de tout le temps. Tu peux l'appeler à minuit, à 1h du matin. Il n'est jamais occupé, il n'est jamais en retard. Il a toujours du temps pour toi. Oh Dieu, est-ce que tu peux réaliser l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu peux prendre un moment pour arrêter d'abord de te lamenter et de réaliser les bienfaits de Dieu dans ta vie? Je peux l'appeler à minuit, à 1h du matin, à 2h, à 4h. Il n'est jamais occupé. Il a toujours du temps pour moi. Alléluia, 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 alléluia. Tu peux l'appeler à minuit, à 1h du matin, à 2h, à 4h. Il ne sera jamais occupé. Il aura toujours du temps pour toi. Ongole la yemotema. Ongole la yemotema. Alléluia. Toi qui te dis, je ne vois plus la place des dieux dans mon cœur, je ne vois plus la place des dieux dans mon cœur. Tellement qu'il permet à des choses horribles, comme tu le dis, d'arriver dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Tu es comme de l'or qui doit passer par le feu pour avoir de la forme. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu te forge. C'est pour ton propre bien que Dieu te forge. Alors s'il te plaît, n'abandonne pas Dieu parce que tu manques. N'abandonne pas Dieu parce que tu es malade.
N'abandonne pas Dieu parce que tu as prié pour la guérison de ton frère et ton frère est quand même parti. N'abandonne pas Dieu. Il t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Il t'aime. J'aimerais que tu déclares avec moi, Jésus m'aime. Est-ce que tu peux le dire après moi? Jésus m'aime. Oui, dis-le encore, Jésus m'aime. N'écoute pas la voix du diable qui vient te dire que Dieu t'a abandonné. Dis-toi que Jésus t'aime. Mon meilleur ami est mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. On y n'a que tout et la dolo. Mon meilleur ami est Jésus, mon meilleur ami. Est-ce que là où tu es, tu peux pousser des cris de joie pour ce Dieu merveilleux? Alléluia! N'est-ce pas qu'il est bon? J'aimerais prier pour toi, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Tu sais, ça c'est une très bonne opportunité pour toi. C'est une occasion pour toi. Dieu t'aime et il veut marcher avec toi. Tu te demandes, mais moi, tout le monde me connaît. Je suis pécheur. Comment je peux faire pour marcher dans la crainte de Dieu? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit, ton meilleur ami, il est là et il est prêt à t'apprendre. Il est là et il est prêt à être patient avec toi. Il est là, j'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu parler de toi. Ou encore ce matin, ça dépend de l'heure qu'il est chez vous. Aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. Et je prends la décision de te suivre. Permets-moi de te suivre. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, je dis non au péché. Désormais, je dis non à toutes ces choses qui m'empêchent de te suivre. Et je prends la décision de marcher avec toi. Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Rends-moi capable de marcher selon la volonté du Père. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Merci Jésus de m'avoir accordé la vie éternelle aujourd'hui. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, alléluia. J'ai une très bonne nouvelle pour toi qui ne connaissais pas le Seigneur, bienvenue dans la famille du Christ. Tu es pardonné, tu es justifié et tu es né de nouveau. Est-ce que là où tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, qu'il est bon, qu'il est merveilleux notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir passé ce moment glorieux avec nous dans la présence de Dieu. Si tu es encore là en train de prier, s'il te plaît, n'arrête pas. Continue à prier. Continue, demeure dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement. Nekulusu. 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 Biki sambi Nekulusu 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 Ngana kangolami Mbula koto mi bale. Go!
Yesu nanga alonga ki satana Tu réponds quand je t'appelle. Adonai.